Et salut à tous et bienvenue au monde de la folie, c'est Zartrix. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, l'épisode 12 de notre aventure sur Destiny 2. Et donc, on va suivre ici. Et on va aller à la prochaine mission. En espérant que ça se passe mieux que la dernière fois, que je vais pas rager. Oh, c'était juste là, d'accord. Donc lui, il a des choses à nous dire et apparemment, c'est pas l'air très gentil. Selon Ikora, un certain commandant machin chose prévoit d'attaquer ce soi-disant tout-puissant. Ce plan n'est appuyé par aucune donnée. Cependant, nous possédons ici les restes d'un ancien réseau de défense interplanétaire. Il devrait nous permettre d'analyser ce tout-puissant. Ainsi, nous pourrions dire à ce Zavala ce qui cloche avec son plan. Rien ne me ferait plus Trop bien. plaisir. Bon, ça, En c'est une attendant, je skill n'ai niveau pas l'intention 12. de gaspiller des opportunités pour la recherche. Vous serez donc mon assistant. Allez-y, pas le temps de discuter. Et ça nécessite le niveau 12. Oh, vous savez quoi? Eh oui, prenez ceci et partez. Le fusil à pompe. Eh Et oui, prenez ceci et partez. après, il y a d'autres trucs encore, mais c'est bon, on va s'arrêter là. Non, c'est Essayez de la ne même pas chose. trébucher, Titan. Alors, on va se restuffer un peu. Tac. Ah. Tac. Ici. Ça nécessite le niveau 12, donc on ne peut pas encore le mettre. Ça, on a mieux. Pourquoi j'ai acheté ça, quel con? On va tout revendre, hein. On va vendre tout ce qui ne nous sert à rien. La complexité est Les exponentielle. trucs jaunes, je les vends pas. Leurs modélisations sont potentiellement illimitées. Mon fusil à pompe, on va revendre l'épée. Moi, je l'épée, c'était sympa, mais bon. Je préfère quand même avoir un fusil. On va revendre le truc bleu. On a des matériaux échangeables, donc je sais pas ce que ça fait. Ça, c'est jaune, je préfère le garder, on sait jamais. Ça, c'est 114, ça, c'est 128, on revend. 116, 117, on revend. Tu ne peux en aucun Comment on cas changer. l'échange ce truc, ces matériaux? Je ne sais pas. Donc pour l'instant, on va Nous rester comme pouvons ça. arrêter de parler maintenant. Oui. Allez, on y va. Je ne suis pas un phénomène de foire. Et donc, on va aller ici. Très bien. On va mettre suivre, comme ça, on a la petite flèche. Je dois donc être pas. On a déjà perdu un peu trop de temps, à mon goût. Hop. What? On va ramasser, hein. Je sais pas à quoi ça sert, hein. Franchement, je... On bute les gens qu'on croise. Et est-ce qu'il faut que j'aille en haut? Est-ce que je peux aller en haut? Bravo, à ça que je voulais faire. Arrête d'avancer, s'il te plaît. D'accord. J'ai besoin de voir la carte. D'accord, non. Ok, je vois. Non mais... On va avancer, hein. Parce que sinon on va perdre beaucoup trop de temps. Oh, il y a des Vex. C'est une blague. Oh, c'est quoi ça encore? Oh mais c'est pas ma mission, c'est pas ma mission, les gars. Je sais pas ce que je fais, mais je dois pas le faire. Cours. Wouah. Voilà, faut aller là. Allez. Voilà. Allez. On est déjà à 5 minutes. Peut-être qu'on va commencer à avancer.
Mon Dieu, ça commence à devenir un peu dur, hein. Puissance conseillée 120 comme l'autre. Et je suis à 126, ok, donc c'est bien. Allez. Nous on avance. On s'occupe pas des autres. Pour le moment, on n'est pas encore. On n'est pas encore au niveau pour faire tout ce qu'on peut croiser sur la carte. Il y aura peut-être des petits épisodes annexes, hein, des petits épisodes bonus, où on fera pas du tout la campagne, mais pour l'instant, c'est pas le but. Parce qu'on n'a pas le niveau. Vous voyez, tous ceux qui font les missions, c'est des niveaux 20, et nous, on n'est que niveau 11. Donc, c'est pas encore pour maintenant. Par contre, là, je vois des portails et tout. Ok. Bon, on va avancer. On va voir ce qui nous attend. J'aime bien cette planète. Ça va. Les ennemis sont. Bon, pour l'instant, les planètes, je les aime bien. Les ennemis sont cool. Comme nous le savons, Zavala prévoit d'attaquer le Tout-Puissant. L'exemple typique de la bêtise des titans. Il a sûrement pensé. Ah, cool, un destructeur de soleil. Pas besoin d'un plan, je vais juste le dégommer. Ce n'est pas de la bêtise, Asher. C'est du désespoir et un peu d'arrogance. Zavala a oublié qu'il pouvait mourir. Dirigez-vous vers le cœur de l'opération d'extraction d'énergie. C'est loin. Gardien. Nous allons utiliser un esprit tutélaire, membre d'un réseau de défense interplanétaire. Même si je pouvais pas prendre un véhicule. Le tout-puissant. Peut-être que je l'ai loupé. Bon, c'est pas grave. Nous sommes proches, mais les corrompus aussi. Ainsi que les Vex. Ne faites pas attention à eux, assistants. Nous pourrons nous en occuper plus tard. Genre, vraiment, j'avance comme ça. Ah ouais, mais ils s'en foutent. Enfin, ils s'en foutent pas totalement non plus. Mais il m'a dit on pouvait s'en occuper plus tard, alors j'avance. Ah oui, par contre, là... Ikora, nous avons trouvé une autre foreuse. Elle est énorme. Vraiment énorme. C'est bien. Cette foreuse vous a ouvert la voie vers le bunker de l'esprit tutélaire. Bon là par contre, je pense qu'il faut les buter quand même. Compris. Trouvons le poste de commande de la foreuse pour ouvrir la voie. Aïe. Oh non, mes relais, revoilà eux. Alors j'ai équipé un truc qui me permet de... Avec mes points d'amélioration qui me permet de recharger plus vite ma grenade quand je fais des frags à la grenade. Il y a des minotaures partout. Heureusement, je suis puissant. On va tester la nouvelle arme. Elle fait mal. C'est bien. Vous inquiétez pas, j'ai vu le loot bleu. Hein. Ne vous inquiétez pas. Ça, c'est un peu les ennemis que j'aime pas trop parce que vous voyez que vous avez tendance à viser dans la tête quand vous croisez un ennemi. Et ben là, ben non. Mince, ça a pas fait le frag. Je pensais. Non. Ah. Oh non, pas eux. Eux, c'est pire. Non, les pires, c'est les Minotaures. Quoique, avec les armes que j'ai maintenant. Bon, ça va. Nous avons rétabli le courant, mais la foreuse est toujours au travers du chemin. Ah, cet engagement à respecter les normes de sécurité est merveilleusement agaçant.
Je le déteste ce personnage. Moyen de l'activer manuellement quelque part dans la base. Je crois que c'est le premier personnage que je déteste. Il m'insupporte. Je trouve ça incroyable que ces idiots de la Légion Rouge n'aient même pas réalisé qu'ils feraient en plein dans un bunker d'esprit tutélaire. Des choses bien plus étranges que ça se produisent chaque jour. Je détecte une forte concentration d'énergie paracausale. Le taux de neutrinos a été multiplié par 5. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il faut faire attention aux corrompus. Oui, voilà, merci. Vous devriez engager un traducteur, Asher. Ouais, c'est bien. Surtout, tu devrais peut-être te taire aussi. Oh non, il y a des Vex corrompus. Sérieusement? Ça, je vais pas beaucoup aimer ça. Ça, je vous le dis, je vais pas aimer du tout. D'accord, ça fait rien. On se retrouve avec tous les ennemis du jeu corrompus, c'est cool. On s'amuse. Ça va, pour l'instant, ça va. Ce qui me fait peur, c'est que c'est pas dur pour l'instant et que on est encore à 12. On est déjà à 12 minutes d'épisode. Et là, je vais pas pouvoir m'arrêter en plein milieu de la mission pour continuer après, quoi. Surtout ça, quoi. J'aime pas ça, j'aime pas. J'aime pas quand ça fait ça, c'est qu'il y a des trucs qui vont spawner dans tous les sens. Non. J'étais mauvaise langue. Oh, wow, wow. On peut pas passer. D'accord. Très bien. Je dois aller où? Par là. Minotaure corrompu, quoi. C'est bon, vous avez pas le temps. Ouais, du joue de bleu. Ça fait mal, ça. Ça fait mal, mais je suis un peu perdu là. Je sais pas ce que je dois faire. Enfin. J'étais bloqué là, je pouvais pas sortir. C'est dur. Un peu. Pourquoi je me suis mis là? Pourquoi j'ai pas utilisé mon pouvoir superchargé aussi? La vache, il y a du monde. Pourquoi immuniser?
Waouh. Mais qui me tire dessus? Mais je les vois pas aussi. Oh là là. Hey. Le truc, c'est que je peux pas utiliser mon pouvoir superchargé si je sais pas sur quoi je tire. C'est ça le problème. Je déteste quand ils font ça. Qu'est-ce qui se passe? Poste de commande. C'est un peu l'enfer. On peut le dire. Ok. C'est là. Je crois que nous avons réussi à activer la foreuse. Bien. Retourner au site de forage et entrer dans le Je le sens pas, ce gars. J'ai hâte de pouvoir contredire le projet de commandant. Vous vous êtes là pour le tout-puissant. Vous vous êtes là? Comme la Coupe du Monde en Afrique du Sud, là, les trucs chiants. Pourquoi il me dit d'aller dans l'autre sens? Je dois aller où là? Je sais même pas si c'est par là que je dois aller. Oh, une hydre. Bon, ça va, c'est pas. Ouais, 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 je vais bouger. Oui. Ok. Yes, niveau 12. On va mettre le point d'amélioration tout de suite parce que je pense qu'on va en avoir besoin. Vous gagnez une charge de lancer de bouclier supplémentaire quand le bouclier de sentinelle est activé. Lorsque l'énergie de votre super est remplie, créez un dôme indestructible qui vous protège ainsi que vos alliés. On va prendre ça. Charge des sentinelles, emblème. D'accord. On va prendre ça, qui est niveau 12. On va prendre ça. On va prendre ça. On va prendre ça. Voilà. On s'améliore de suite là, hein, parce que c'est dur. Mais qu'est-ce qu'un esprit tutélaire au juste? C'est une sorte d'intelligence artificielle conçue pour défendre l'humanité contre les dangers à venir. On va devoir l'affronter parce qu'il a été piraté, c'est ça le truc? Oh, je le sens venir gros comme une maison. Wow, la foreuse est en marche. Moi,
soulevez-la avant qu'elle n'écrase le bunker de l'esprit tutélaire. Qu'est-ce que je dois faire? Je cours. Oh merde. Enfin, trouvons cet esprit tutélaire. On s'amuse, hein? Regardez tout ça. Tranquille, la mousse. Balance-moi ça là-dedans. Regardez, vous voyez, j'ai fait tellement de dégâts que je peux relancer une grenade. Allez hop, bim. Là. Bien. Où je dois aller? Là-bas. Cher Ikora, nous nous dirigeons vers le bunker. Je dois aller là-dedans, là? Ah oui. Très bien. Hein? Pourquoi? Je dois pas aller là-dedans. Ah si? L'endroit est carrément marqué en dessous. Qu'est-ce qu'il faut que je... C'est là? What? Qu'est-ce que je dois faire? Ils me disent d'aller là-dedans. Comment je fais? Ouais, il y a un truc que j'ai pas capté encore. Calme-toi. Alors. Est-ce qu'on peut calmement interpréter la situation? D'accord, c'est comme ça. Très bien. Ok. Excellentissime, je vais demander à Zavala. Pourriez-vous m'indiquer la force destructrice du Tout-Puissant en zeta-joule? Il va dire non, Asher, parce que je suis un idiot et un inconscient. Ah, tais-toi. Vous pouvez ignorer Asher. Oh, merci. Trouvez l'esprit tutélaire. Reconnectez-le au réseau et nous nous occuperons du reste. D'accord. Aïe. Ah ouais, ça fait mal ça. Je sais pas c'est quoi, mais ça fait très très mal. Ah oui. Moi j'aime bien. Oh, j'aime bien me faire éclater comme ça, j'adore ça. J'adore les minotaures corrompus aussi. Merci de mourir. Cordialement. Titans Artrix. Tac, allez.
Pour l'instant, on n'a pas de zone de réapparition limitée, donc c'est plutôt cool. Je vous reconnecte à l'esprit tutélaire pour commencer une analyse à distance. Oui, nous avons vu que vous étiez connecté. Une seconde, il est corrompu. Ah, bah non, sinon c'est pas drôle. Ah! Alors là, c'est vraiment pas drôle du tout, par contre. Il est où? D'accord, il est là-bas. Bon, ça va. Il y a un beau loup bleu. Ah ouais. Le truc à tête chercheuse, c'est jamais les bonnes idées. On m'encercle. Alors, faut battre l'esprit modulaire avant de l'attaquer au gros. Voilà, ça faut le buter parce que sinon, bah déjà ça fait mal. Et ensuite. On peut pas attaquer le gros tant qu'on n'a pas buté l'esprit. J'ose pas y aller avec ma super parce que je sais pas de quoi il. Ah oh, oh non, il est là, j'ai pas vu. Mais ces champs qui sont invisibles. Aïe 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 aïe. Ah oh, mais non, je suis en réapparition limitée en plus. C'est chiant. Je sais pas de quoi il est capable alors. Tiens, prends ça. Oh là là, les boss super longs comme ça. J'ai plus de balles. J'en ai récupéré, mais bon. Oh non, 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 non. Il est immunisé, donc c'est à dire qu'il y a un de ses potes qui est pas loin. Non, 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 non. Bah forcément, forcément, forcément. Oh, merde, je dois tout recommencer.
C'est long en plus. Bon bah coupure hein. On se retrouve dès que j'ai un peu avancé. Oh la vache, c'était pas la bonne idée, c'était pas la bonne idée. Cours. Ok, je lui ai mis à peu près la moitié de sa vie. Mais Ah non, pas ça. Ça me rend fou ça. Ok. Bon, finalement, j'ai réussi à m'en sortir, donc c'était le bon play à faire. Ok, j'ai pris cette arme là parce qu'elle fait beaucoup de dégâts. C'est l'arme jaune que j'ai récupérée. Ok, il est bientôt mort. Allez. Allez. Vite. Non. Ah mince, pas ça. Ah, il est où son pote là? C'est bon. Yes. Ah, comment se passe l'analyse? Pas très bien. Le tout-puissant est inextricablement lié à la résonance harmonique des tubes de flux magnétique du soleil. Pardon? Si Zavala fait exploser le tout-puissant, le soleil risque d'exploser avec. Il faut l'en informer immédiatement. Non, j'avais du loot bleu, voilà pourquoi, c'est chiant. 42 minutes? Sérieusement? Ah, mince. Cinématique. Explique-moi, nouveau guide. Pourquoi tes gardiens méritent-ils la lumière? Combien coûte un tel pouvoir et l'immortalité? La dévotion. L'abnégation. La mort. La mort. Explique-toi. La dévotion anime la bravoure. La bravoure qui encourage au sacrifice. Le sacrifice mène à la mort. Alors, n'hésitez pas à vous tuer. La dévotion. Le sacrifice. Je suis né faible. Exclu.
comme cela est d'usage chez les Cabales, on m'a mis de côté et laissé pour mort. Un ancien intellectuel aussi tombé en disgrâce m'a recueilli et a vu quelque chose en moi qui méritait d'être sauvé. Il m'a élevé, m'a tout appris et m'a formé au combat. En retour, j'allais devenir l'instrument de sa vengeance contre l'Empire qu'il avait trahi, qui s'était trahi lui-même. Le rejet, l'humiliation, la souffrance, ça m'a rendu plus fort. J'ai tout donné, pas seulement pour être accepté, mais pour atteindre la gloire. Sous ce masque, cher guide, se trouve le visage même de la dévotion et du sacrifice. Je ne prendrai pas la lumière de force. Ça reviendrait à admettre un échec. Et je n'échoue jamais. Comprends-tu maintenant pourquoi je serai choisi? Je vois bien. Je vois tout ce que tu as fait. Notre mission sur la Lune Jovienne est un succès. Une fois la cage terminée, nous aurons tout ce qu'il nous faut pour commencer à extraire la lumière. Dominus, le fruit de notre travail acharné est là, prêt à être cueilli. On attend maintenant tes ordres. Non, ce n'est pas le seul moyen, vieil ami. Je t'assure que si. Le seul moyen. Pas pour moi. En fait, je viens de me rappeler que j'avais fait une coupure, donc ça fera pas 45 minutes. Il devrait y avoir... je sais pas. Je sais pas combien j'ai enlevé, mais ça tournera aux alentours des 35-40 minutes, je pense. Ah, en tout cas, je sais pas, moi, ce petit cinématique, ça m'attache un peu plus au méchant, c'est bizarre, je me dis, au final, il a souffert et il a tout fait pour essayer d'être le meilleur. Bon, si on doit le buter à la fin, on le butera, mais ça donne un petit côté attachant. Ok, je suis à l'avant-garde. Très bien. Et donc, c'est ici qu'on va s'arrêter, les amis. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. À partager la vidéo si ça vous a vraiment plu. Et à vous abonner pour rejoindre le monde de la folie. Suivez la suite de Let's Play, c'est Artrix. Bisous tout le monde.